La caméra est dans la main, le plaisir est immense, vous l'avez bien compris, on est de retour dans le 6ème épisode de Match Day comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Dernièrement, je suis quand même pas mal limité financièrement, c'est ce qui fait que je peux pas vraiment voyager pour aller voir des matchs à l'étranger. Mais aujourd'hui, l'occasion est belle, on se déplace en bus, on a un trajet de 20 minutes à faire pour aller jusqu'au stade du Lausanne Sport, le club de la ville qui va affronter en 8ème de finale de Coupe Suisse les Young Boys. Sans trop tarder, je vais me préparer et on bouge directement au stade pour vous faire un peu l'intro plus générale. Et j'ai de nouveau oublié de dire, bienvenue dans Match Day. Actuellement donc devant le stade de la Tuère, stade qui a été inauguré, ouvert, appelez-le comme vous voulez, fin 2020, donc c'est un tout nouveau stade. 12 000 places pour accueillir les meilleurs matchs du Lausanne Sport qui, juste après son ouverture, du coup est descendu en Challenge League. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Lausanne Sport 4ème de Challenge League, donc l'équivalent de la 2ème division nationale, affronte aujourd'hui dans le cadre du 8ème de finale de la Coupe de Suisse, les Young Boys, premier de Super League, donc la première division nationale, qui dans les 16e de finale avait éliminé le stade Lausanne-Ouchy, donc la 2ème équipe de Lausanne qui est un petit peu moins forte. Enfin, on dit un petit peu moins forte, mais cette saison ils sont devant le Lausanne Sport, alors que le Lausanne Sport a éliminé en 16e de finale le FC Zurich, qui est le détenteur du titre de champion de Suisse. Ils avaient gagné le match en prolongation et comme c'est la magie de la coupe les gars, tout peut arriver. J'espère tomber sur un match passionnant et pas me taper un vieux 1-0 sur une déviation frère. Là si vous avez vu la veste et la casquette, c'est parce que indirectement je travaille pour le Lausanne Sport. Et bien évidemment comme à chaque match je serai intransigeant sur la qualité du match, sur l'ambiance. Donc Sophie, je sais que tu regardes cette vidéo, je suis désolé d'avance si j'ai dit des dingueries. C'est aussi pour ça que là je suis en avance parce qu'on doit aller faire un petit truc justement avec le taf. Et du coup bah y a pas encore grand monde quoi. Mais ça va se remplir, tranquille ça va se remplir. J'espère que je pourrai choper des séquences et on verra au final. En direct depuis la pelouse, c'est un synthé parfait pour se démolir les croisés. Je parle par expérience de cause hein, les gars, je sais très très bien de quoi je parle. Vous voyez un stade tout moderne, tout neuf qui va accueillir ce magnifique match. On a un accès parce qu'on a un taf au club, sinon j'aurais jamais eu même 5 francs pour payer l'entrée. On est en situation de galère les gars, on est en bonne situation de galère. J'ai une envie mais vous savez déjà ce que c'est comme envie. Ici il y aura les fans du LS, ici il y aura les fans de Young Boys. On s'apprête à une ambiance de taré, on va voir ce que ça donne. Là et... Ah! Puis on espère se taper un bon match au final. Hein. Moi je vais faire un petit peu le tour du terrain, le tour du stade et espérons vivre de beaux moments. Les gars, je vous jure, j'ai raté trop de bails. Déjà, j'ai raté un but, j'étais en train de taf. J'arrive, je vois, j'ai raté un deuxième but. Ça va trop vite, ça va trop vite. Le premier, la première, j'ai même pas entendu. Je suis en match tranquille. Je crois ce qui. Voilà, hein. Vous voyez, moi je suis là, dans les tribunes en train de regarder les matchs. Certains ils en font son leur activité professionnelle. Déjà, si je veux faire ça de manière professionnelle, faudrait que j'apprenne à parler français. Ça m'étonnerait pas non plus si on voit se faire la troisième et qu'il plie définitivement le match. Donc on verra par la suite. Après c'est un beau match, tu vois pas vraiment une division d'écart. J'ai l'impression que Young Boys sous-performe un tout petit peu et que le Lausanne Sport sur-performe un petit peu surtout au niveau de 2-3 joueurs qui font quand même la différence d'un point de vue créatif. On verra ce que ça donne en deuxième mi-temps, restez branchés. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis de mettre un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous kiffez ce genre de match. Si déjà j'ai l'opportunité, autant en profiter. Pour une fois qu'il y a un match filmable ici en plus, parce que sincèrement la Challenge League contre Schaffhouse frère. Yeah.
être posé ici, c'est danger de vie ou de mort. Hein. Une balle qui passe un petit peu à côté, je suis fini. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? À tout moment, un petit but qui sort, 3-1 Young Boys, personne ne s'attendait. Ah non, là, ça crée une climatisation, t'as jamais vu ça de ta vie. Là, c'est pas super chaud dans le stade, mais alors là, les gars. Oh le but de Zinzin, vraiment. Voilà ce qui honore les chances de qualification en quart de finale du Lausanne Sport. Ah ouais, c'est injouable hein. Bam, t'as raté. 5-1, 5-1. Là c'est chaud, là vraiment je vous jure le gars c'est chaud. Ouais les gars, fin de match, 5-1. C'est chaud, non, franchement c'est chaud. Mais le pire c'est que ça s'est pas vraiment ressenti. Ça s'est pas ressenti dans la qualité du match parce que c'était plus une question d'opportunité. C'était plus une question de saisir les opportunités, quelque chose que Young Boys a fait justement vraiment le jeu. Donc voilà, c'était une. Yes, hein. Totalement sûr que vous allez percer les gars, tranquille. Comme moi, je vais totalement percer grâce à cette vidéo. Ouais. Ça fait plaisir. En tout cas les gars, j'espère que ce petit match vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, comme je vous ai déjà dit, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je vous garantis absolument pas qu'un jour dans ma vie, je pourrais de nouveau tourner un peu proche d'un stade comme ça. On essayera au fil du temps. Pour que ça se passe, justement, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Plus on grandit peut-être, plus on aura d'opportunités. C'est léger les refs. Merci de m'avoir suivi ce soir pour ce match de fou malade. J'ai eu quand même 6 buts, c'est pas rien.